Le geste est précis. Alma est artiste plasticienne. Armée de son crayon, elle s'inspire du modèle tout droit sorti des œuvres de James Ensor pour faire valser son imagination. Si on parle du travail des paysages qu'il a fait, c'est un travail très expressif où la couleur et la lumière, c'est très très riche. Idée des paysages d'un côté, mais inspiration des célèbres masques de James Ensor de l'autre. C'est en tout cas le cas de Tunche, ce sculpteur de formation qui essaie d'incorporer le dessin dans ses œuvres. Je regarde juste le masque, les vêtements qu'il porte, mais je fais ma propre interprétation des poses qu'il prend, parce que je préfère quand c'est libre, comme de la danse. Mais il n'y en a pas que pour les grands. Les plus jeunes aussi font partie des 75 amateurs venus à la Bibliothèque Royale pour s'essayer au dessin. Ça, c'était une madame. Et ça, c'est un mouton qui fait une broute. Et ça, c'est un clown. Et ça, c'est le soleil et la lune. Qu'est-ce que tu as aimé dans l'activité? Dessiner les personnages, la couleur et tout ça. Cette activité lance la 3e édition de l'Expo Nationale, un concours qui réunit des artistes amateurs de tout âge. Seul critère, s'inspirer de James Ensor, dont les œuvres sont actuellement exposées à la Bibliothèque Royale pour les 75 ans du décès du peintre ostendais. Ils peuvent choisir les masques comme on l'a vu aujourd'hui, mais aussi des paysages, des fleurs, parce que l'œuvre de James Ensor est très variée. On peut faire des dessins, des peintures, céramiques, sculptures et même peut-être art digital ou AI, qui sait. Les volontaires ont jusqu'au 19 mai pour soumettre leurs œuvres sur le site web de l'Expo Nationale. Le public et un jury de professionnels décideront des 70 artistes gagnants qui exposeront leurs œuvres à la Bibliothèque Royale au mois de juillet.